Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Les Cendrillons Scrap. Je souhaite le bonjour à toutes mes nouvelles abonnées et ainsi qu'à mes anciennes. Alors, j'ai décidé de vous faire un tuto sur la planche d'Aloha qui va être sur mon concours qui va se terminer fin septembre. Fin août pour le tirage au sort début septembre. Alors, il y aura des dies à gagner bien entendu. Alors, je vous présente mes deux créations que j'ai faites. Il y en a une troisième à la fin que je vous ai présentée. Alors, pour faire cette planche de surf, il vous suffit de prendre une boîte de fromage ovale ou bien une règle et un crayon à papier. Et un ciseau pour couper, bien entendu. Alors, pour faire la boîte, j'ai fait mon contour de mon fromage. J'ai tracé au milieu un tracé avec un feutre, un stylo noir, et j'ai pris les 4 cm pour que ça fasse bien 2 sur 2, et j'ai tracé mon trait, et puis j'ai coupé le bas. Et là, votre planche, elle est faite, après c'est à vous de faire la déco. Pour les gens qui n'ont pas de boîte ovale, j'ai utilisé ma règle et mon stylo, et mon crayon à papier, j'ai fait un tracé de 4 cm. Vous prenez dans le 4 cm le milieu, donc ça fait 2 cm de chaque côté, et vous tracez à 13, de là jusqu'à la hauteur. Et puis, vous prenez soit un compas, soit une assiette, et puis vous faites les petits arrondis, et ça va vous faire votre planche de surf, et puis vous coupez le bas, bien entendu. Puis, n'oubliez pas de me faire les contours de la planche de surf en noir, ainsi que le milieu. Mais si vous le milieu, vous pouvez changer avec du ruban crocheté ou autre, ou trace. J'ai utilisé des pads d'encre de chez Action et de chez AliExpress. Donc voilà, ils sont très très jolis. Donc j'ai frotté mon fond et j'ai fait mon petit dégradé derrière fond. J'ai utilisé un dies de chez AliExpress pour faire ma petite danseuse. Vous pouvez utiliser un perroquet, des images, des die cuts, ce que vous voulez sur le thème de Hawaï, tropical et les fonds de mer aussi, les océans, la tortue, ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est que ce soit vraiment avec un contour noir. Bon, si vous n'avez pas pu le faire, que vous avez oublié, ce n'est pas grave, tant que vous avez fait le principal, du central et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner, mon concours se termine fin août, et je vous fais le tirage au sort début septembre. Merci à vous.